Bonjour, je suis Charlatan Brochu. Je dessine des choses. L'exposition à l'œil, en ce moment, c'est ma première exposition dans un centre d'artiste. C'est ma première exposition professionnelle. Puis je trouve ça vraiment spécial pour moi, que ce soit puis significatif, en fait, que ce soit à l'œil de poisson. Parce que c'est vraiment une galerie que j'aime, en fait, depuis que je suis à Québec. C'est comme vraiment mon idéal de centre d'artiste, en fait. Puis effectivement, ben, après, il y a eu un poste qui s'est ouvert comme coordonnateur à programmation. J'ai aussi soumis mon dossier-là, puis j'ai été pris. L'angle avec lequel j'ai abordé mon exposition, dans le fond, c'est un angle que je voulais optimiste, en fait, parce que je trouve ça quand même important d'être optimiste dans la vie. Fait que j'ai choisi le titre « Heureux ensemble » pour mon exposition ici. « Heureux ensemble », pour moi, ce que ça veut dire, c'est significatif, parce que quand on regarde toute ma pratique, il y a plein de monde, tu sais, constamment. Là, dans chacun des dessins, il y a au moins, tu sais, dans un dessin comme ça, il y a à peu près 150 personnages. Dans le dessin juste avec moi, il y en a peut-être une centaine aussi. Le titre oriente vers une lecture qui est positive quand même. Mais quand on regarde, quand on s'attarde dans mes dessins, la première chose, je pense, qu'on se dit, c'est « Wow, les couleurs sont vives, ça a l'air super joyeux, ça a l'air intéressant. » Comme ça, plus tu t'en rapproches, puis tu sais pas trop c'est quoi la lecture qu'il faut que tu en fasses, en fait. Puis tu sais, l'ambiguïté, c'est une richesse quand même en art, pour le visuel. Fait que j'essaye de faire des dessins qui représentent un genre de vision d'une société complexe. J'aime la posture quand même nuancée que ça apporte. Et puis c'est assez subversif, en fait, parce que ben, autant c'est super coloré, autant quelqu'un qui s'attarde vraiment peut quand même avoir une lecture qui pourrait presque être une critique sociale. C'est pas vraiment ce que je veux, parce que moi, en tant que tel, honnêtement, j'aime ça les parties. Ça fait que si j'en dessine, c'est pas parce que je juge le monde, c'est parce que c'est le fun. Oups, c'est... Premièrement, là, mon médium de prédilection, c'est le dessin. C'est le point de pivot de toute ma pratique, finalement. Puis après ça, je viens de faire plein de tests. Il y a différentes itérations du dessin. Donc, je me suis amusé à faire deux collages. Donc, ça reste du dessin. Puis après ça, ben, je fais un dessin, puis je le découpe, puis je le colle avec une forme. Il y a du dessin numérique qui est comme vraiment le point central de ma pratique. C'est ça que mes dessins sont tout le temps colorés, puis tout. Parce que j'aime ça, dessiner, tu sais. C'est ça que j'aime dans la vie, là. Fait que c'est la fête. Quand je dessine, là, c'est... J'ai vraiment du plaisir, puis je pense que c'est ça qui ressort aussi. Progressivement, en fait, je me suis dirigé vers le dessin numérique parce que ben, j'aime ça, c'est tellement simple. J'ai juste besoin d'une tablette graphique, d'un ordi, puis je peux travailler n'importe où, puis j'aime le résultat aussi. Ça me donne des possibilités de faire n'importe quoi. Puis avec plus je connais les possibilités, ben, plus je peux les utiliser, ce qui est vraiment fantastique. C'est comme il y a des couleurs à l'impression que je peux aller chercher, qui serait super compliqué à aller chercher en peinture ou avec un autre médium, du crayon de bois ou des trucs comme ça. Fait qu'il y a quand même des forces qui sont inhérentes au médium numérique, que j'essaie de me servir de plus en plus. Je dirais que l'évolution de mon travail à travers le temps, ben, est basée sur justement à quel point je connais mon médium puis à quel point je suis capable d'exploiter les forces de ce médium-là. Quand j'ai su la date de mon visage qui tombe le 30 octobre, donc la veille de l'Halloween, je me suis dit que je vais me gâter, puis j'ai racheté 2-3 petits fantômes un peu dans 3 dessins quand même. Et des petits squelettes aussi, là, des gens déguisés. Mais ça, c'est juste parce que c'est drôle. Ça fait un petit clin d'œil amusant.